Bonjour à tous, enfin bonsoir plutôt. Je vais commencer la suite de Tomb Raider sur Sega Saturn avec le niveau de l'Égypte. Je vous dis tout de suite, je suis pas fan de ce niveau, donc ça risque d'être un peu du ratage sur ratage. Voilà. Et j'espère qu'on entend bien le jeu aussi. Donc j'ai un peu modifié les paramètres pour ceux ou celles qui avaient des soucis de connexion sur ce live. Je sais pas si ça va changer grand-chose, mais bon. Alors. C'est ça. Alors pour expliquer en gros ce qui se passe, on va récupérer deux artefacts de Sion. Donc il y a des images comme ça parsemées, mais c'est pas encore la vision complète, c'est pas encore très clair. Donc ça on le verra plutôt à la fin du jeu pourquoi enfin il y a eu tout ça. On comprend qu'il y a une cité qui a été dévastée par une météorite. Et puis qu'un des éléments du Sion a été retiré par un de ceux qui gouvernaient cette cité. Je pense que c'est tout ce qu'on peut comprendre. Bon, il y a des images un peu. Voilà. On comprend mieux quand on voit la suite de l'histoire, hein, forcément. La première fois que j'ai vu cette petite cinématique, j'ai rien compris. Voilà. De toute façon, il n'y avait pas grand-chose à comprendre. J'espère que je fais les choses juste parce que là je joue d'instinct. Hein. Il me semble pas que le stage soit trop compliqué. C'est un stage dans la version Saturne. Il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été finies, quoi. On voit que le jeu n'a pas été finalisé sur cette console. Donc, par rapport à la version PC et PlayStation, il y a des éléments qui ont été déplacés, des éléments du décor, quoi. Je vous expliquerai par la suite.
Ouais, il y a un bug graphique. C'est tout pourri. Je crois que c'est juste le CD du jeu qui a un petit peu de poussière. Je pense pas que ça soit dû à la version, en fait. Comment on y va là déjà? Je prends les cartouches, même si ça peut pas forcément servir. Fusil à pompe, je m'en sers presque jamais alors. Ah, il y a un cristal de sauvegarde ici, d'accord. On est qu'au début du jeu, je sais pas si ça sert à grand chose, mais bon. Là, on va sauvegarder quand même. Putain, j'ai cru que j'allais crever. Est-ce que je live demain? Ah non, je suis pas là demain. Je suis pas là. Donc il n'y aura pas de live sur PSO2 parce que j'y serai pas pour le rendez-vous. Alors j'espère que quelqu'un prendra en charge ce rendez-vous, mais j'en doute. Donc il n'y aura peut-être pas de rendez-vous de team demain. C'est la vie. Là, il y a des ennemis normalement quand on rentre ici. Des ennemis silencieux. Ah, il est là. Voilà, je crois qu'il n'y en avait qu'un, hein, de toute façon. Et là, il devrait en avoir un autre. Ouais. On va se la jouer bûcheron. Pas trop perdre de temps, j'ai envie de vite finir ce niveau parce que je l'aime pas trop.
Pour l'instant, je me trompe pas trop. Ça va. Ça serait con que je tombe dans un trou. Il y a un croco là, normalement. Allez! Alors ici, non, je crois que je peux aller directement en haut. Je crois pas qu'il y ait des trucs en bas dans l'eau. Ah bon, ah bah super, merci Setenta. Je savais pas en fait. Comme personne n'avait répondu sur le forum, j'en savais rien. En ce moment, je me suis connecté sur le jeu qu'en journée, donc. J'ai pas forcément vu Arada. Putain, ouh, et j'aurais pu mourir, hein. Chanteur, non, ça c'était la semaine passée. Ouais, t'as vu, hein, Mayana, j'aurais pu tomber. Si j'étais tombé juste à côté de la plateforme, là, ben, je serais mort. Ça aurait été le gros fail pourri. Pour ça, on peut mourir bêtement dans ce niveau. C'est juste chiant, quoi. Merde. Oh, Dieu. Le bloc, il doit peser 10 000 tonnes, quoi. Je sais pas ce qu'elle prend au petit déjeuner. Mais je fais quoi, moi? Je dois aller où? C'est pas là que je dois aller? Je confonds quelque chose. Je confonds. Me dis pas que je dois l'amener. Oh non. Ah mais je suis vraiment bête, hein. C'était juste en fait. Sais pas pourquoi j'essayais de monter là-haut. Je suis. Ouais. Ah ouais. Ok. C'est bon, tout va bien. Tout va bien. Voilà. C'est mieux, hein. Alors, hop. Ça pour ça. Hop. Alors ici on aperçoit une clé dans une salle vide. Est-ce que c'est déjà dans ce niveau qu'on va la récupérer? Je sais plus. Parce qu'en fait ce niveau et le suivant ça forme qu'un seul niveau. Encore un petit peu si je peux.
Et voilà. Tout ce petit tour pour ouvrir une trappe qu'on ne sait pas où ça va. Alors là, par contre, on n'est plus très loin du passage secret. Le premier passage secret. Il y a trois passages secrets dans ce jeu, dans ce niveau, mais il n'y en a que deux sur Saturne. Troisième, il n'existe pas. Je crois qu'il existe que sur la version américaine. Vais vous montrer lequel c'est après, c'est dans pas longtemps. Ici, par exemple, là faut serrer les fesses hein. Parce que si on se plante, alors là faut pas se tromper de côté, sinon c'est la mort. Que je crois qu'après c'est une espèce de trappe qui tourne en boucle, on tombe dans des pics et puis voilà, fin. C'est vraiment inspiré des tombeaux égyptiens avec des pièges un peu partout. Bon, il y a pire. Hein. Alors ici, justement, ces statuettes de chat, il me semble pas que sur la version PlayStation, elles y soient, ni sur la version américaine de Tomb Raider sur Saturne. Et je sais pas si c'est à cause de ces chats qu'il y a un bug avec le passage secret de tout à l'heure. Quand on va ici, là, il y a une statuette de chat. Donc elle n'y est pas dans les autres versions. Hein. Sauf sur la version en euro, évidemment.
Et là, bah, quand on va là, il n'y a pas de musique pour le passage secret. Alors, je sais pas si c'est à cause de cette statuette. Du coup, le passage secret n'est pas validé. Voilà. Il est là, il existe, mais il n'est pas validé. C'est assez frustrant parce qu'on ne peut jamais finir le jeu à 100%. C'est chiant. Ma foi. Tant pis, hein. Oublié un truc ou quoi? Ok, c'est un tas. Bah, ça m'étonne pas du tout, tu vois. Alors, hop, je prends la clé. Je crois qu'à ce moment-là, quand on trouve la clé, on ne sait pas du tout à quoi elle sert. Parce qu'on n'a pas encore fait le tour du niveau, donc. Là, si on tombe, ça fait vraiment chier parce qu'on recommence tout depuis le début. Parce qu'on y était avant. C'est là où il y avait une panthère à un moment. Donc vaut mieux pas tomber, hein. Alors ce bruit qui ressemble à rien du tout, c'est en fait la grande salle vide. Qui s'est ouverte, enfin le sol s'est ouvert et puis ouais, je crois que c'est ça. En fait, il y a du sable qui tombe dans la salle du dessous et ça permet de. En fait, je sais plus. Allez, on va voir ce que parce que je sais plus. Voilà, oui, c'est ça, ouais. Donc là, il y a une trappe qui s'est ouverte, ça fait tomber le sable, le tout petit paquet de sable. Dans la salle en dessous, ce qui permet bah d'aller là. Ça sert à rien. Voilà. Alors, sauf si je dois aller à un endroit. Non, mais je crois qu'en fait ça sert à rien. Ou quoi? Oui, il faut que j'aille là. Aidez-moi, je sais plus. Non, mais de toute façon, il faut pas que j'aille là, moi. Est-ce que là, j'ai la clé? Ah non, en fait, c'est là qu'il faut que j'aille. Non? Ouais, ok, bon. Voilà.
Ça va, on s'est pas trop perdu. Hop, on utilise la clé et voilà. Donc fin du stage, le premier. 22 minutes, ça va. Et le suivant, je crois que c'est le pire. L'obélisque. Tu es chiant. J'espère que je vais pas faire trop long pour celui-là. Bon, la salle de l'obélisque, elle se trouve derrière cette porte. Donc, faut trouver la clé. Et là, on a quatre dalles. La clé, enfin derrière chaque des dalles, des gros blocs. Derrière chaque bloc, il y a une espèce de salle. Et la clé, elle se trouve dans une de ces salles. Voilà. En gros, c'est ça. Ah, il était là. Mais qu'il est vilain. Ouais, tout ça pour ça. Eh, c'est important les cartouches Magnum quand même. Alors en fait la clé se trouve dans cette salle-là.
c'est un tas. Et voilà, on est dans la salle de l'obélisque. Donc il y a des objets à récupérer de chaque côté, ce qui permet de sortir du niveau. Donc on va commencer par le premier. Y a beaucoup de sauvegardes ici, mais je sais que dans la version euro, je sais même plus s'il y en a dans ce niveau. C'était très dur pour ça. Et voilà. Et 2-1. Bon, bah plus que 3. Parce que je m'attendais pas à cette salle là en fait. Je crois que c'était un autre endroit. Même dans le remake, ce niveau était chiant. Je crois qu'il y avait une salle où il y avait pas mal de sauts comme ça. En fait, ils ont refait cette salle. Ils l'ont remise au goût du jour. Ce cristal, je sais plus si je dois. Bon, allez, je l'utilise. Hein. Je veux pas refaire ces sauts. Je pouvais attendre avant de l'utiliser, mais comme il y en a un peu plus sur la version japonaise des cristaux, je sais plus s'il y en a un après.
Oh, le bruit pourri, quoi. Tout ça. Ah oh, non, non, c'est pourri. Enfin bref, sans commentaire. Ah bah, il y avait encore un cristal. Mal placé celui-là. Ah, c'est vraiment mais un passage. C'est chiant, c'est vraiment chiant quoi. C'est pour ça que j'aime pas ce niveau. C'est que c'est même pas dur, c'est juste chiant. Allez, passage secret. Ah, du coup, j'aurais dû laisser le cristal de sauvegarde. Ah, mais ce levier, je l'ai pas baissé. Voilà, 2, 3. J'ai failli l'oublier. Heureusement qu'ils sont généreux avec les trousses de pharmacie. Hein. Comparé aux 2 et aux 3, c'est pas trop ça. Hein. Alors là, ça c'est peut-être con parce que. Je sais pas si j'ai assez de vie pour après. D'ailleurs, là, il me donne une trousse de pharmacie, c'est pas pour rien. En fait, je vais encore l'utiliser, c'est bête. Mais je crois que j'ai besoin de toute ma vie pour le passage secret suivant, qui est par là.
Là, c'est un peu casse-gueule. Un truc comme ça. Non, bah en fait, ouais, j'aurais pu me passer. Je croyais que ça allait me bouffer presque toute ma vie, mais non, puis bah, j'ai assez de trousse, hein, de toute façon. Bon, là, c'est ici, c'est pour le dernier levier. Alors, c'est d'abord, je descends pour aller tuer les momies, parce que sinon, elles vont me faire chier. Et je passe en mode bûcheron, là, parce que j'en ai marre de ce niveau. C'est réglé. D'ailleurs, Mayana, c'est pas toi qui voulais faire le remake de Tomb Raider, le Anniversary, là. Si t'es là. Ah ok, super. Ah, parce que ça serait marrant de voir le remake après celui-là. Mayana vous proposera le Tomb Anniversary. Ça c'est cool. Parce qu'il est vraiment bon, le remake. Ouais, bah bon, dans la semaine prochaine, bah je serai pas là, donc il n'y aura pas de live de Tomb Raider. Par contre, la semaine d'après, je le finirai, hein, ce qui reste qu'un niveau, alors. Donc à ce moment-là, bah, après, tu pourras le faire quand tu veux. Tu peux déjà commencer si tu veux. Hein. Bon, l'Égypte, ça va, c'est pas trop long. Ce soir, je finis. Et puis après, bah, il restera que de l'Atlantide. C'est trois niveaux qui sont à peu près de la même longueur. Je crois qu'il n'y a que le premier niveau de l'Atlantide qui est vraiment très long. Qui, je pense que je vais le faire en une quarantaine de minutes. Mais sinon, les autres, en 20 minutes, c'est bouclé. J'espère que j'ai baissé le levier parce que je regarde même pas ce que je fais. Alors, j'espère que oui. Oui, c'est bon.
Allez, on récupère ce qu'il faut récupérer. Voilà, donc là ça fait le deuxième objet. C'est super. Allez, on se casse. Cartouche Magnum dans l'eau. Mais ça marche, hein. Oui, elle marche toujours. Sauvegarde. Et là, on retourne dans le premier niveau de l'Égypte. Allez, allez. Dame, Dada. Bon. Dame, Dada. Ah, mais c'est quoi? C'est le scarabée?
Ça aurait pu être un passage secret, ça. Cinq minutes, hein, c'est un peu long, hein. Allez, sanctuaire du Sion. Et après, c'est terminé. Ici, en gros, faut monter sur la tête du sphinx. Il y a deux ancs à y mettre pour ouvrir une porte qui nous permet d'entrer dans le sphinx. Et c'est à partir de là que... Enfin, ouais, tout ça pour aller jusqu'à l'endroit où on peut récupérer le sion. En gros, c'est ça. Explosion qui a coupé la musique. Alors on aura une bonne vue d'ensemble. Eh ben non, même pas. En fait, le sphinx il est très grand. Alors, ce qu'on va faire d'abord, histoire de faire les choses dans l'ordre, on va d'abord baisser les leviers qui ouvrent les salles. Donc chaque anc est gardé par un gardien. Pour accéder au gardien, ben il faut baisser des leviers, forcément. Là aussi, c'est très casse-gueule.
Ouais, moi aussi je vais à ces niveaux, Mayana. D'ailleurs, c'est étonnant que j'ai pas fait de fail encore. Qu'ils sont pas trop compliqués. Y a des trous partout, voilà. Et voilà, premier levier. Tout de suite après, il y a un ennemi qui arrive. On se met là. Attendre qu'il arrive. Je sais pas si je peux attendre les cartouches. Risqué, non? Ce sera pour plus tard. Alors, levier suivant. Allez, on va faire les gardiens. Bon, c'est là que c'est aussi un petit peu relou. Parce qu'il faut faire des sauts précis là. Hein.
entre. Chat qui miaule, désolé. Voilà, donc là, c'est là où il faut pas rater le saut, sinon, bah, à chaque fois, faut recommencer, c'est pénible. Sauter juste au bon moment. Ah bah c'est bon. D'habitude, il me faut toujours 2-3 essais. Je me souviens la première fois, il me foutait les jetons, c'est sans tort. Mais bon. Allez, le deuxième. Le deuxième Hank. Oui, j'aime bien me cogner le nez. Oups. Même pas peur.
qu'à monter sur le sphinx. Bon allez. Le seul secret de ce niveau, c'est ici. On va faire le saut de l'ange. Hein. Je sais pas si on voit à travers le live les objets qui flottent dans l'air. De toute façon, c'est pas très lisible. C'est les Uzi, les mitraillettes. Ils sont déjà là. Oh putain. Ah, ils sont chiants. Cause 2, j'ai loupé les cartouches de fusil à pompe. Bon bah... Allez, on recommence tout. Non. Allez, cartouches de fusil à pompe, on s'en fout. Oh, je suis bête. Bon, bref. Oh, je sais pas pourquoi je me loupe toujours ici, mais... On a l'impression que c'est pas loin, et puis en fait...
T'es où? C'est par là, je crois. Il faut aller de l'autre côté. Pas se planter. Ah voilà, on approche de la fin du niveau. Ah bah c'est tout bon alors. Finalement, c'était pas dur, hein. Là, on va affronter Larson. Je crois que c'est Larson. Allez, mode bûcheron. Oh putain, je suis mort. Ah merde. Ah, c'est con, hein. Ben, ils font mal. J'ai plus beaucoup de vie, peut-être. Ah, c'est pas possible, un Tomb Raider sans fail de temps en temps. Alors, je recommence de là. Bon, ça va. Je devrais utiliser un peu plus mes trousses parce que j'en ai largement assez là. Voilà. Alors, bah,
Puisqu'on les a. Allez. Bon, on va pas jouer au con. On va se la jouer un peu plus prudent. Attends, les momies, en fait, c'est surtout les momies qui me font chier. Oh, que c'est pas puissant, ça. Allez. Ça, c'est mieux, hein. Ça y est, la salle du Sion. Alors si on voit par la fenêtre ici, on devrait voir Larsen derrière un mur quelque part. Je sais pas si on le voit. Non? Il se cache. On se dit, il n'y a personne. Ah, il est là. On le voit là. Le vilain. Ah, il est déjà mort. Bon bah c'était un combat très impressionnant. Et on récupère le Sion et voilà. Fin de l'Égypte. Voilà. Donc bah je vais arrêter là. Je vous souhaite une bonne soirée à tous et puis bah, je vous dis à 2 semaines pour la suite et fin de Tomb Raider sur Saturne. Bonne soirée tout le monde.